the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta... Salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu que j'attendais longuement, Metro Exodus, les amis. Donc un super jeu, j'ai terminé les deux derniers volets il y a un petit moment, d'ailleurs que j'ai fini je crois 2-3 fois, surtout le 2 que j'ai fini 2 fois je crois, un truc de fou, c'était de la patate et du coup il me tardait de pouvoir faire ça avec vous. C'est un cadeau que ma femme m'a fait, donc je m'y attendais pas et je suis super content de pouvoir mettre la main dessus. Et je tenais à vous dire aussi que j'ai une caméra qui va arriver aussi, donc là j'ai acheté une bonne caméra normalement qui fait du 43 mégapixels, donc du bon matos, et normalement j'espère que j'arriverai à sortir les gameplays, les mettre sur l'ordinateur, et j'espère surtout que la Play 4 les prendra, parce que comme je vous disais quand je faisais un montage, je mettais de mon portable, en fait je me filmais avec le portable, je sortais le fichier du portable sur le PC, du PC je mettais sur clé USB en fait, et des clés USB je mettais sur la Play, voilà, et après je faisais le montage avec Shark Factory et j'envoyais. Donc du coup j'espère vraiment que la Play 4 prendra en compte le fichier de la caméra, quoi, parce que ça me ferait chier d'avoir acheté, bon j'aurais pas acheté la caméra pour rien, mais bon, c'est the caméra quoi, elle peut tourner en 4K et tout, c'est pour vous dire, je me suis vraiment fait chier. Donc en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que pour le deuxième épisode, justement, j'aurai la caméra. Donc, on commence. On va faire ça en mode normal. Hein, on va pas aller plus loin. Normal parce que je me vois mal partir dans des trucs de ouf, difficiles et tout. Là, ouais, non, moi, on est là pour jouer tranquille, découvrir le jeu. Et voilà, les amis. Alors. Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Moi aussi. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Ouais. Le monde entier nous appartenait. Yes. Ouais, moi j'ai même des chocs à pique. D'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait. Ils ont baisé partout aussi. Nous avions même conquis le ciel. Oui, le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Je m'en souviens aussi comme si c'était hier. Ça, c'est horrible, ça. Tu sais que tu vas crever, qu'il n'y a pas assez de monde pour tout le monde dans le bunker. Les militaires qui tirent dessus parce que tu forces l'entrée. Horrible, le truc. Et tu crèves comme une merde à la surface. Tel un téton irradié. Oui, parce que vous avez jamais vu de téton irradié, moi j'en ai vu 8, je peux vous assurer que c'est pas très beau à regarder. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper. Et nos petits-enfants, ou leurs petits-enfants, pourront alors retourner y vivre. Ouais, ce serait cool, du moins, ça. C'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Par contre, il existe toujours les clopes, hein. Ah, t'inquiète. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. J'ai l'impression. Dans les tunnels qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Putain, j'ai chaud, j'ai la veste. Par contre, c'est un flashback des anciens, ça, il me semble. C'est un flashback assez regroupé, quoi. Grosso modo, il montre des images des anciens jeux. Je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Et tu refuses de continuer à avoir des tétons irradiés. Qu'on me traite d'idiot. Tu veux voir des vrais tétons tout beaux, tout fermes et tout roses. Monde là-haut.
Il faut que je la retrouve. Il le faut. Il le faut, mais tu vas trouver tout ça. Mais tu vas trouver, j'en suis sûr, on va trouver. On va même trouver l'amour. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Je dois trouver l'espoir. On va le trouver, mon pote, l'espoir. C'était beau. C'était beau, c'était dodu, c'était du métro. Ouais, il me semble qu'ils ont refait... ils ont remontré un peu tout plein de trucs des anciens métros, grosso modo, quoi. Et c'est beau. C'est très beau. C'est très bien fait. C'est très très triste comme paysage. Ce serait horrible en vrai d'avoir un paysage pareil. Mais je crois que ce serait plus horrible, c'est d'avoir les monstres qu'il y a là, quoi. Parce que je peux t'assurer que je resterai dans les sous-sols et bien comme il faut. Ah, ils ont dû se faire chier pour faire le jeu, sa race. Tous les détails qu'il y a. Quand c'est beau, c'est bon, c'est d'art. Ah ouais, j'avais oublié ça, quand la lampe s'allume, on a la manette qui éclaire aussi. Ouais. C'est pas vraiment le coin que j'aimerais aller, mec, tu vois. Surtout tout seul, quoi. Faut avoir des grosses coucouilles pour faire ça. Waouh, c'est très... Il faut se réhabituer, quoi. Bon, allez, on y est. Lampe, torche. Allez, on l'allume. Il y a des trucs à ramasser ici. Ça va, les gars? On a passé un bon moment? Boire ou conduire? Vous avez choisi de boire. Ah, il faut rester appuyé. Salut! Elle a enfoncé pour ouvrir le menu d'équipement. D'accord. Ok. Ça c'est quoi? C'est le fameux briquet de l'ancienne? Ouais, à l'ancienne le briquet. On va aller par là. On va regarder un peu ce qu'il y a. Ça c'était une sacrée araignée. Oh! Ah ok. Ça y est, le mec il commence à foutre le feu partout ça. Faudrait peut-être que je change un peu la sensibilité. Ou peut-être pas, non. Peut-être qu'on va rester comme ça. Oh putain! Non mais les gars, non mais c'est pas possible. Mais ça va être quoi, j'ai eu peur de ça, du reflet sur le truc, c'est n'importe quoi. À moi métro, c'est les bestioles qui te sautent à la gueule comme ça là, tu vois, ça fait stresser un peu. Je suis pas rassuré. C'est quoi ça, y'a quoi à ramasser? À réparer, c'est quoi? Ah j'aime bien, donc ça veut dire que t'as rechargé une arme ou t'avais pas de balles. C'est ça la différence entre console et PC, c'est qu'on voit que c'est pas 60 FPS, il tourne pas à 60 FPS là le jeu. On va se calmer la bébête. Putain, ça court de tous les côtés les amis. Je sais pas si vous entendez vous. Je pense pas parce qu'il faut avoir un sacré. Il faut avoir un casque sur la tête pour entendre. Je crois que même avec le casque vous entendrez pas non plus. J'aime pas le silence comme ça. Ah, je suis pas du tout rassuré là. Désolé si je parle pas trop, c'est je suis pas très rassuré en fait. Ces araignées me rassurent pas non plus en fait. Il y a un truc à me sauter à la gueule. Vas-y, mais casse-toi le bordel, vous avez vu la taille de l'araignée ou quoi?
C'est plus des araignées le bord, le truc là. Oh! Un fils de pute. Hein. Je savais que c'était un fils de pute. Quoi. Bah je sais pas, plein de trucs. Tiens. Voilà. Moi je cours. Cours! Oh! Cours! Tiens, ta mère. Oh, ta... Tiens, t'approches pas. Tiens. Je sais pas tirer. Recharge, Francis. Non, j'ai tiré deux coups comme un connard. Y'a pas de balle là. Recharge. On va recharger, on attend qu'il y ait rien. Ah, putain, ça me picote partout du coup, ça m'a fait peur. Ils m'ont fait peur les bestioles là. Ça court encore derrière moi. On peut pas prendre la mitrailleuse là? Ouais, on prend, on fusille tout, frère, on cherche pas à comprendre. J'ai même pas envie de sortir. On va devoir le faire, de toute façon. Salut, ça va beau gosse? Hey, Doliprane. On fouille les environs ou on court? Ouais, on court. Je crois que c'est le mieux à faire. Et on court. Dépêche-toi qu'il y a un truc qui va m'arriver dessus, je le sais, c'est toujours pareil dans ce jeu-là. Voilà, tu vois, je t'avais dit. Ben, regarde pas et ouvre la porte. Mets-lui une patasse. Ouais, c'est mieux un couteau. Alors, remarque, c'est pas con. Voilà, dans l'œil. Oh putain, mais culé va. Allez, plante-le, salaud, plante-le. Allez, tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, dans la gorge. Voilà, les amygdales. Il fallait faire une opération, de toute façon. Ouais, voilà. Trop de poils au menton, lui. Allez, on se bat pour me bouffer, les salopes. C'est bien fait, hein. Allez les gars, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai peur, aidez-moi. Le type est en train de s'étouffer. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est mon nouveau parfum, Axe. C'est pas les femmes que ça attire. C'est les monstres. Ouais, j'ai pris un tacle de Ramos. Quel enculé. Allez les gars, dépêchez-vous que j'ai super mal. J'ai très très mal les gars. On peut regarder de droite à gauche peut-être. Ouais. Ouais ben. Ouais, à gauche. Tu crois que le colonel sait ce qu'Artium fabrique? Comment tu veux que je le sache? Demande-nous toi-même, il a appelé plus Serge, il a dit qu'il arrivait demain. Ouais, mais les gars, je cherche du monde. Laissez-le tranquille. Je l'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah, à l'aise, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon, comment il pourrait survivre dans le métro? Debout là-dedans. Tiens le coup, Artium. Ouais, t'inquiète. Le sens spartiate tout frais arrive. Ouais, je m'accroche à la vie, de toute façon. Et je me saoule avec le bruit. Les gens qui m'entourent. Tiens, sacré cauchemar. Tu es réveillé? Oui, je suis réveillé, mon amour. Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? C'est pas ma faute. Il n'y a personne d'autre, Artium. Je sais. Personne à trouver, personne à qui parler. Et je sais. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'ils seraient déjà là? Justement, ils sont cachés comme nous. On en a parlé plusieurs fois déjà. Non, tu en as parlé. Tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Non, il n'y a pas que nous. Je le sais bien. Ah, beau papa arrive en colère? Te voilà, crétin empêché. Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. Je fais ce que je veux, connard. L'ordre est à court d'homme après la bataille pour D6.
Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries maintenant. Allez, tout ce que j'ai fait autrefois. C'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui ? Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. On transfère pour police ? J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Je te le promets. Je te jure, ce sera la dernière fois. Artyom. Salut, docteur. On a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste ? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. La prochaine fois, c'est moi qui te sauverai, petit trou de Balking. Tout de même, heureusement que les Spartiates sont doués. Ils ont ramené Artyom juste à temps. Yes. On va écouter ce qu'ils disent. J'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Il y a un problème ? Dommage qu'ils passent tellement de temps à la surface. Ah, ça calme d'un coup, ça, hein ? Même de petits enculés. Essaie de faire un peu plus attention, d'accord ? Même si tu trouves d'autres gens dehors, ils ont sans doute des problèmes de leur côté. Ferme-la, connard. Y a pas de problème. Seul toi les fais. Ouais. Salut les copains. Oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien ? Bouge de là, tu une sacrée trouille. Artyom, comment tu vas, mon pote ? On a l'air en forme, est-ce que je vois ? Excusez-moi, messieurs, faites place. Salut, poteau. Hey, ça va, mon gars sûr ? Encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. Ouais, fais gaffe que la mienne, elle va te péter la gueule, par contre. Bon retour parmi nous. Ça va, le barbu ? Oh, petite bite. C'est surlong que j'ai donné à tous ces pauvres mecs. Ouais. T'as apporté de l'alcool, mon petit chou. Ouais, c'est clair. Une semaine plus tard. Il est encore dehors, il va encore se faire gronder. Comme d'habitude. Toujours rien ? Ah, ils vont se faire gronder. Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. C'est normal que t'attaques que ça. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés. Ils nous ont fait un complot, tout est un complot. Dans un monde devenu muet. Muet, Artyom, parce qu'il est mort. Non, il est pas mort, arrête. Dis pas des mensonges. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Ouais. Avance. On n'a pas besoin d'encore plus de radiation. Ah, je suis d'accord, les radiations, c'est pas très bon. Je suis monté avec toi. Et plutôt deux fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Oui, mais interdit pourquoi ce secteur en fait ? Toutes ces ruines ? Bah, si tu me parles, j'étais pas de ce côté. Ouais. Et Moscou avait la meilleure défense antiaérienne. Attends, il y a peut-être des trucs à ramasser ici. Parce que toi, tu t'en vas faire ta vie là. Mais... ah, peut-être une petite boîte de conserve, un petit truc comme ça quoi. Ou un petit souvenir. Qui c'est qui accrocherait un tapis à son mur comme ça ? J'ai dû faire fuir un démon. Il prenait un peu trop ses aises. Ah ok. Tu m'as dit qu'on aurait dit un truc qui courait, c'était une tire, ok. Je suis pas au courant. Désolé meuf. Très bien fait le jeu.
Ah. Écoute, peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Ton père en dit beaucoup de choses. Plus là, il reste qui ? Un appart avec une cuisine et une douche. Une douche. On pourrait être tout nu dedans. C'est pas assez stable. Attention. Au moins ça a tenu. Ouais, ça a tenu. Ça tient toujours, ma poulette. Moi, je crois pas. T'as entendu ? Ouais. À mon avis, ce qui va nous tomber sur la gueule. Oh, pas du tout une gueule d'ange. Il y aura peut-être pas une tête de porte-bonheur. Oh mon dieu! Wow, ta mère! Eh. Faut que je me prenne un medikit, chérie. Protège-moi. J'ai l'impression que ton arme elle fait plus mal que la mienne, quoi. J'ai peur. Je t'ai dit qu'ils avaient pas des gueules de porte-bonheur. Je t'avais bien dit. On dirait mes filles quand elles veulent du chocolat. Vas-y, je fais comme toi. Vas-y, poulette, avance. Moi, je te montre un truc rigolo, tu vois. Merde. Oh, on peut pas le faire. Oh, merde. Il y a des trucs à récupérer dans le bus. Ouais, je pense pas qu'il y ait des trucs à récupérer. À part des vieux collettes. Ouais, c'est pas bon du tout, une mette. Changer filtre. Putain, encore il faut changer filtre. Heureusement que les mutants se détestent entre eux tout autant qu'ils nous détestent. Ouais, c'est clair. Un crépus qui soit collègue, voisin et tout, qui se fasse une petite bouffe. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. Ouais, parce que peut-être. Il cache autre chose que des monstres ici. Bon, est-ce qu'on se la joue face aux thermopiles ou est-ce qu'on les laisse passer ? On les laisse passer. Faut pas commencer à se friter avec ces machins. On dirait qu'il y en a plus. Heureusement qu'ils nous ont pas remarqué. Ils étaient nombreux. Ouais, j'avoue. Ça aurait pas été très cool. C'est pour ça que ce secteur est interdit. Non. C'est vrai que si toutes les meutes sont comme celle-là. Je pense qu'il est interdit pour autre chose, background. Quelque chose qu'ils essaient de nous cacher depuis des millénaires. Utiliser pour maintenir pour le mode photo. Salut, fallait pas donner ça à Bicoto. Genre tu peux faire ce que tu veux comme photo, c'est ça? Bon, je regarderai ça plus tard parce que je vais pas vous emmerder avec le mode photo, mais c'est plutôt très intéressant qu'il y ait un mode photo dans ce jeu là. Mon dieu, c'est un gros oiseau. Et si on prenait le pont pour traverser la... Ouais, moi j'aimerais que tu ailles un peu plus vite, meuf, en fait, parce que tu dis que ton père va te tuer, mais tu marches comme un vieux cargol. Artyom, aide-moi à monter. Appuyez sur Alain pour essuyer votre masque. Je vais le faire, ça. Eh ouais, merde, fais doucement, poulette. On va se casser la pipe, là. Et en plus, il commence à faire froid, alors vivement qu'on rentre. On se réchauffera tous les deux. T'es aussi musclé que le mec, lui. Elle. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment toujours kiffé, essuyer le truc. C'est peut-être con, tu vois, comme système, mais... J'entends rien non plus. On passe en liaison radio.
Ok, la poulette. Artyom, tu vois ce que je vois? C'est pas moi qui délire, hein? On a train. Un train! Bordel, un train à la surface! Mais d'où il... Mais d'où? Je te l'avais dit, c'est ça qui nous cachait depuis le début. C'est ça le fils de mouette. Merde, qu'est-ce qu'on fait, Artyom? On essaie de le rattraper? Eh ben oui, on essaie de le rattraper, c'est le mieux. Regarde, c'est les gars de l'ordre. On dirait qu'ils poursuivent aussi le train. Rejoignons-les. Comment vous êtes arrivés ici? Vous avez vu ce truc? Ouais, j'ai vu ce truc, il est fantastique. Salut les gars, on est copains. On n'est pas copains. Ils sont méchants, ils vont donner un coup. Ils sont pas gentils ces messieurs. C'est plein de rebondissements les amis. D'abord ils nous cachent ça, on découvre un trait. Les gens pour qui on travaille nous mettent un coup dans la gueule. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre. C'est fumier. Ah, de Hansa. Ouais. Mon père va leur faire payer ça. Il se passe quoi dans votre tas de ruines? C'est ça Moscou? C'est ça Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Ah non, ça se voit. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an. Et n'est jamais... Bah, la ville est morte, ton gars. Mais c'était pas un gars sûr. Il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Je te l'avais dit depuis le début. C'était sud ça, c'était sud. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah ça alors. Il faut qu'on prévienne tout le métro. Ouais, on va prévenir tout le métro. On y va tout de suite. On va leur péter la gueule à ces enculés là. La vieille, le gosse d'or. Mais vous nous avez amené au milieu de nulle part. Ça les gênera pas. Il va les tuer cet enculé, vas-y mec. Bah. Voilà, mais lui il est patate, ce chien, il crève lui les yeux à ce bâtard de chien là, balance-le dans le truc. Qu'est-ce que vous faites? Non les gars. Ils ont tué le petit mec et la mamie. Ces bandes d'enculés là. Vraiment des sales chiens. Ah ouais, mais là niveau éradication, mon gars, tu dois en prendre plein la gueule. Prends vite ça, mon pote à la compote. Oh, ils ont tué. Ah non! C'est bien qu'il commence à péter un plomb. Bon écoutez les amis, ça fait 28 minutes que ça tourne, donc on va se laisser là pour cet épisode. Je suppose que ça a sauvegardé en plus, donc voilà, je trouve que c'est le bon moment de stopper le premier épisode. J'espère que pour le prochain épisode j'aurai la caméra, normalement je l'aurai. Normalement il n'y aura pas de souci. J'espère surtout que les fichiers et la Play 4 le prendront, c'est surtout ça qui m'inquiète. Et c'est pas la mémoire qu'elle a d'origine dedans aussi, donc je vous expliquerai tout demain si je l'ai, on verra ça. Je vous fais de gros bisous les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager et puis je vous dis bye bye pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.